Cyberespace. Technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0. Cyberespace sur Algérie 3. Nouvelle technologie, innovation digitale. Samir Aloun, bonjour. Bonjour Akin, bonjour Soraya. Tout bonjour, cela Samy. Devrait nous faciliter la vie. Ah bah voilà. Notre quotidien, et d'ailleurs c'est votre sujet aujourd'hui de votre chronique. Comment nous épargner des déplacements avec des démarches administratives qui nous freinent tous les jours dans nos démarches. En grosso modo, nous facilite la vie. La vie. Voilà. Alors c'est des services qui sont liés à une administration 100% en ligne, qui peut grandement contribuer à rendre la vie donc plus facile aux citoyens. User donc de l'informatique, des moyens modernes pour répondre à un besoin toujours présent qui est dans les quatre coins du pays. Donc une numérisation progressive qui a besoin à la fois de compétences formées pour recevoir et traiter efficacement toute demande du citoyen, demande de renseignement ou procédure quelconque, d'une infrastructure sécurisée et fluide pour protéger toute donnée qui est en train de traverser les systèmes informatiques. Nous avons l'habitude de parler d'outils d'aide à la décision. Cette fois, c'est un outil d'aide à la numérisation qui est proposé. Il a été lancé en mai dernier. Une start-up labellisée qui a comme objectif de révolutionner la manière avec laquelle le citoyen interagit avec l'administration, un outil multifonction directement accessible sur le smartphone. L'idée de Abdelhaq Benjbara, qui est le fondateur de FreeDoc. FreeDoc, c'est une plateforme qui regroupe aujourd'hui plus de 4600 dossiers administratifs, techniques et juridiques existants en Algérie sur une application mobile. Notre objectif étant de centraliser l'information et de devenir la référence en termes d'information ou d'orientation administrative en Algérie. En fait, on est dans la pré-numérisation parce que l'objectif en ce moment que nous avons fixé à court terme est de centraliser tous les dossiers, que ce soit étatiques, au privé, en une seule application ou en une seule plateforme, en attendant à court terme de pouvoir donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir envoyer son dossier directement à l'administration, directement via l'application. Alors, 200 000 utilisateurs recensés à ce jour, entre 7 000 et 15 000 utilisateurs au quotidien. C'est des fonctionnalités qui sont incorporées à l'application, comme la possibilité d'être notifié du moindre changement du dossier. L'application se divise quant à elle en plusieurs secteurs et spécialités, de l'état civil, visa et tourisme, travaux publics, travail, emploi et investissement, registre de commerce et autres activités. Donc, chaque catégorie indique les informations nécessaires pour constituer son dossier avec précision, sans bouger de chez soi.